Carla, la première gagnante de The Voice Kids, se confie sur son parcours et révèle si elle est toujours en contact avec Jennifer, qui était sa coach durant l'aventure. Pas facile de garder contact. Dans 2 semaines, les téléspectateurs de The Voice Kids découvriront le nom du grand gagnant de cette 9e saison. En 2014, CIST Carla, à peine âgée de 10 ans, qui soulevait pour la toute première fois le trophée du concours de chant pour junior de TF1. La jeune fille, qui avait ensuite connu le succès en participant à la création des Kids United, notamment avec la reprise de la chanson On écrit sur les murs, se souvient de son aventure dans le télécrochet, c'était fatigant de monter à Paris les week-ends ou les mercredis. Mais, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. C'était une expérience incroyable, assure-t-elle aujourd'hui à nos confrères du Parisien. Carla, The Voice Kids, pourquoi elle a perdu contact avec sa coach Jennifer? Celle qui a fêté ses 20 ans au printemps dernier confie aussi avoir fait de super rencontres, parmi les autres participants de cette première édition de The Voice Kids. De nombreux candidats venaient de Paris alors que je suis originaire du Sud. Ça a donc été compliqué de garder contact. Mais nous suivons nos évolutions grâce aux réseaux sociaux, constate Clara qui regrette également de ne pas avoir conservé de lien avec Jennifer, qui était sa coach tout au long de l'aventure. Pendant quelques années, on s'envoyait des messages pour Noël ou le Nouvel An. Mais comme mes projets musicaux se sont évaporés avec les temps, nous avons perdu contact, explique-t-elle dans les colonnes du quotidien. Carla cesse d'éloigner du monde de la musique. En 2016, Carla George, de son nom complet, avait finalement choisi de quitter le groupe des Kids United, et suit désormais des études de commerce international, à Marseille. J'ai choisi une voie complètement différente de ce à quoi j'aspirais quand j'étais plus jeune, admet-elle, n'abandonnant pas totalement ses rêves de chanteuse. Dans 2 ans, après avoir fini mes études, je souhaite à nouveau me consacrer au chant car cela reste ma passion. Je n'ai encore rien décidé, mais j'aimerais écrire quelques musiques, révèle-t-elle, laissant donc un petit espoir à ses fans de la revoir sur scène.